Alors, maintenant, on va commencer la deuxième recette. Donc, le soufflé de pommes de terre au saumon fumé. Donc, on va éplucher les pommes de terre. Vous allez la mettre dans le saladier avec de l'eau, hein, et vous la coupez en morceaux. D'accord? Et après, bah, tu la coupes en deux, après en deux, et puis à peu près en quatre, tu vois, quatre, six, de façon à ce que la cuisson après soit uniforme. Vous allez couper donc les tranches de saumon fumé. Alors, on va couper ça en deux. Et là, vous faites des petites lanières comme ça. Vous allez mettre les jaunes là-dedans, les blancs là-dedans. D'accord? Donc là, vous prenez pommes de terre, allez-y. Voilà, et là, hein, vous moulinez comme pour faire une purée classique. Et là, vous versez de temps en temps un petit peu de crème, comme ceci, un petit peu de sel, un peu de poivre. Donc, vous mélangez, vous ajoutez les jaunes d'œufs. Après, vous mettez le saumon fumé, la ciboulette. Alors, blanc en neige. Donc on va démarrer doucement, on casse le blanc, les barres. C'est bon. Là, le blanc d'œuf, lui, il va venir un petit peu assouplir la préparation. Donc là, c'est bon. Alors, on mélange, mais délicatement, pour ne pas casser la texture du blanc. Et là, vous remplissez. Ok, donc four à 180, thermostat 6, à peu près entre 15 et 20 minutes. Bon, vous voyez, ça commence à légèrement colorer. Ça monte aussi. Ben, ça va être bon. Hein. Ouais, c'est... Alors.